Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est unboxing, le lundi c'est unboxing et c'est de la boutique Pinsomway. Voilà, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, maintenant les unboxings auront lieu sur ma chaîne que le lundi. Voilà, parce que je ne veux pas vous que vous ayez que des unboxings sur ma chaîne. Voilà, donc vous ne les aurez que le lundi. Alors, chez Pinsomway, j'ai un petit accessoire broderie, un petit DP et un petit accessoire tricot. Alors, vous allez me dire, en tricot, ben, t'en as déjà. Oui, je sais, j'en ai déjà. Hop. Un petit sac tricot. Voilà. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Alors, j'en ai déjà un dans le même style. Voilà. Avec, oui, il y a des trous pour passer les fils, pour passer la laine. Voilà. Il y a une poche sur le devant. Voilà. Ici, vous pouvez y mettre vos petits accessoires. Et il est quand même d'une grande capacité. Je cherche, j'avais une grande règle, mais je ne sais plus où elle est. Bon, c'est rien. On va se débrouiller. Ben, elle est où ma règle? Bon, c'est rien. On va faire comme ça. Je vais mesurer ben, dans le fond. Alors, on est à 30. Ouais, 40. On est à 40 cm dans le fond. Bon, eux, ils disent 36. 36 sur 18,5 sur 15,5. Voilà. Ça existe dans d'autres couleurs aussi, si je me rappelle. Voilà. Hop. Bon, là, il est vide, donc... Mais c'est, il est pas mal si vous emmenez votre tricot, je sais pas, en vacances, en week-end, voilà. Un petit style vintage. Il est super beau. Alors, ce petit sac, il est à $11,99. Le petit accessoire... broderie. Alors, on en a toujours besoin. Toujours besoin d'un petit pois chez soi. Vous vous rappelez de cette pub? Enfin, les anciens... Oh là là, Fifi m'a mis plein de poils. Les anciennes comme moi connaissent. Alors, c'est... j'ai enlevé déjà le chapeau. C'est un petit tube avec des aiguilles. Voilà. Et dedans, il y a deux enfils aiguilles comme ceci, voilà, et les aiguilles, les voilà. Bon, vous verrez pas bien, ouais, vous verrez pas mieux, mais enfin, vous savez ce que c'est que des aiguilles. si je me trompe pas, c'est des 26. Elles sont toutes de la même longueur. Ouais. Ouais, si je ne me trompe pas, c'était les 26. Alors, attendez. Non, elles ne sont pas toutes de la même longueur. Non, c'est des 26 et des 28. Voilà. Donc, il y en a des petites. Alors, attendez. Je vais en sortir une de chaque, ça ira mieux. Pour vous montrer... Voilà, vous voyez la différence de grandeur. Là, j'ai un petit truc noir, ça ira mieux. Voilà. Donc, la grande, ça va être bien, surtout pour le 11CT. 11CT, 14CT aussi. Et la petite, ben, tout ce qui est 14, 16, 18, voilà.
elle est beaucoup plus fine. Voilà. Bon, vous verrez pas mieux. Mais enfin, vous savez ce que c'est des aiguilles. Et donc, oh, ils sont bien, ils sont fins. Parce que des fois, il y en a des gros. Et ça a du mal à passer dans les chats d'aiguilles. Voilà. Alors, il y en a une... Oh, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a une vingtaine. Ouais, 10. Non, plus que 10. Oui, il y a une vingtaine d'aiguilles. 1,99$. Voilà. Mais ça, c'est bien. Il faut toujours en avoir, de toute façon. On va se mettre face bureau pour découvrir ce DP. Alors, comme d'habitude, c'est un DP 30-40 et en perle ronde. Vous savez que bon, la plupart des DP, c'est pour chouchou. Hein, donc, c'est ce qu'ils préfèrent. On a petit toolkit, comme d'habitude. Et on a les perles en sachet zippé. Voilà. Alors, comme là, je vais devoir l'ouvrir, c'est pas très grave, pour vous montrer les couleurs. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, ah, j'ai oublié de vous dire le nombre de couleurs, je vais vous le dire. Je crois que ça doit être 20, mais je suis pas sûre. Voilà, on arrive au bout. Voilà, hop, ça on rangera après. Et donc, 21 couleurs. Et tout ceci pour faire ta-da-da-da, Picsou. L'oncle de Donald. Enfin, non, c'est pas l'oncle de Donald, c'est l'oncle des petits, je crois. Enfin, je sais plus. Voilà. Ça change. On voit plus beaucoup des Picsou, des Donald, tout ça. On n'en voit pas beaucoup. Hop là, j'essaie de bien remettre le papier. Qu'est-ce que j'aime pas ce papier. Voilà. Donc un petit Picsou. Regardez, il a ses sous là. Voilà, mais il est joli. Avec ses petites lunettes rondes, voilà. Je pense qu'il sera très beau. Alors, pour ceux qui rangent les perles à part, la référence est ici. Hein. Par contre, la référence n'est pas sur les perles. Hein. Donc, pensez à mettre une étiquette sur votre paquet. Donc, ce DP 40-30 perles rondes, est à oh, bah, excusez-moi, à 5,99$. Voilà. Bah, écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Pinsomoué. On a eu encore des beaux articles aujourd'hui. Voilà.
Je vous remets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires si vous voulez retrouver ces articles. Voilà. Et moi, en attendant, ben, je vais vous faire des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!